Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 24 avril, et aux environs de 8h du matin. Les vagues sont sublimes. Vraiment de très très belles vagues, aux environs de 1m50 offshore de nouveau. La marée est haute. Enfin, elle était haute il y a une heure. Elle redescend jusque vers 13h20. Et elle montera de nouveau ce soir jusque vers 19h. Alors je me suis mis en mouvement ce matin. Voilà, je suis sur la promenade Émile Lacaze, au sud de Lacano, devant la résidence Les Océanites. Et je marche. Ah, j'ai failli descendre sur la plage. Bon, je me suis dit que c'était mieux de ne pas contrevenir à la loi. Donc je marche, je m'oxygène. Je mets mon cœur en mouvement, j'accélère un petit peu ma marche, j'entends le bruit de l'océan avec ma marche. Eh bien, mine de rien, je suis en train de faire du bien à mon corps. Ce matin, je m'inscris dans le sillage du docteur Guillaume Barouk à Biarritz, qui nous a expliqué il y a une dizaine de jours qu'il était favorable à la réouverture des plages. Notamment parce qu'il dit que faire de l'exercice physique sur la plage, c'est un facteur de santé publique. C'est un facteur sanitaire. Hein. C'est-à-dire que quand vous faites de l'exercice physique sur la plage, alors sur la plage, courir, marcher, ou évidemment dans l'eau, nager, surfer, eh bien vous faites du bien à votre organisme. Vous boostez votre système immunitaire. C'est-à-dire que vous aider à lutter contre les maladies, en fait. Hein, quelqu'un qui va régulièrement faire de l'exercice physique sur la plage, eh bien, il sera plus apte à lutter contre les maladies. Alors, il y a également le docteur Christophe André, psychiatre. Le psychiatre qui milite pour la méditation de pleine conscience, qui lui a signé un texte pour demander la réouverture de tous les espaces libres, de tous les espaces naturels. Hein, et pareil, en disant que marcher ou faire de l'exercice dans un espace naturel, non seulement ça a boosté le système immunitaire, mais ça réduit le stress, ça réduit même les inflammations. Et on sait que dans le Covid, il y a une phase médicale qui met en branle tout le système immunitaire et qui provoque beaucoup d'inflammation. Donc voilà, c'est un facteur supplémentaire au-delà de nos nécessaires libertés publiques, voilà, qui milite en faveur de la réouverture des plages. Alors évidemment, de manière raisonnée, hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas forcément tout de suite. S'il y a des gens qui aiment bien bronzer, s'arrêter sur la plage pour squatter, faire la farniente, c'est pas l'objet. Hein. L'idée, c'est que cette utilisation des plages qui est demandée, elle sera pour faire de l'exercice physique, pour y passer, pour aller à l'eau, pour faire du bien au corps, à l'esprit, à l'âme, hein, pour booster sa santé, hein, dans le cadre de cette crise épidémique, pardon, dont on aimerait bien sortir. Allez, je vais vous faire un petit zoom sur les vagues et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.